هو نعمل مونسيو برتون un grand jardin. Dans son jardin, il y a des fleurs et des arbres fruitiers. Sur les arbres, il y a des légumes. Monsieur Breton a une graine, petite graine. Il met la graine dans la terre. Il va se coucher. Dans la nuit, le lendemain matin, Monsieur Bertrand est dans son jardin. Il pose sa main sur le grand navet. Quel merveilleux navet, il est énorme. Monsieur Bertrand tire le navet, tire. Elle ne se passe rien. Le navet est trop gros. Monsieur Bertrand appelle encore sa femme Elise. Elise, viens ici, viens nous aider. Ce navet est trop gros. Monsieur Bertrand, la femme Elise, tire et tire encore. Mais il ne se passe rien. Le navet est trop gros. Monsieur Bertrand appelle encore sa fille Benjamin. Benjamin, viens ici, viens nous aider. Ce navet est trop gros. Monsieur Bertrand, sa femme Elie, son fils Benjamin, tire et tire encore. Mais il ne se passe rien. Le navet est trop gros. Monsieur Bertrand appelle encore sa fille Catherine. Catherine, viens ici, viens nous aider. Ce navet est trop gros. Monsieur Bertrand, sa femme Elise, son fils Benjamin, sa fille Catherine, tire encore. Mais il ne se passe rien. Le navet est trop gros. Monsieur Bertrand appelle encore son chien Snoopy. Snoopy, viens ici, viens nous aider. Ce navet est trop gros. Monsieur Bertrand, sa famille, son fils Benjamin, sa fille Catherine, son chien Snoopy, tire et tire encore. Mais il ne se passe rien. Le navet est trop gros. Monsieur Bertrand appelle encore son chien Minou. Viens ici, viens nous aider. Ce navet est trop gros. Monsieur Bertrand, sa femme Elie, son fils Benjamin, sa fille Catherine, son chat Snoopy et son chat Minou tire et tire encore. Mais il ne se passe rien. Le navet est trop gros. Monsieur Bertrand appelle encore son petite souris blanche. Souris, viens ici, viens nous aider. Ce navet est trop gros. Monsieur Bertrand, sa femme Elie, son fils Benjamin, sa fille Catherine, son chien Snoopy, son chat Minou et petite souris blanche. Tire, pop! Le grand navet sort de la terre.